heureux d'avoir réussi à organiser cette première journée médico-chirurgicale sur Aix. Ça a été un long travail d'organisation de toute l'équipe des chirurgiens orthopédistes de notre association. Finalement, j'ai l'impression que le contrat est rempli. Nous, on voulait avoir l'occasion de pouvoir échanger avec nos interlocuteurs, avec tous nos confrères, avec les gens qui nous adressent des patients. Et c'est vrai que c'est pour nous aussi agréable d'avoir leur retour, savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits. Dans notre pratique quotidienne et un peu sur le retour d'informations qu'on peut avoir et ce qu'on peut leur apporter en termes de formation médicale continue. Donc en effet, je pense que le contrat est rempli et cette première journée est plutôt un succès. Les deux grands groupes chirurgicaux d'Aix-en-Provence ont voulu se regrouper pour pouvoir améliorer leur spécialisation et créer donc des pôles d'hyperspécialité. Ça nous permet de montrer un peu la fusion des deux équipes, travailler en commun et de mettre en commun nos astuces, nos problèmes. Je pense que cette association nous a permis de discuter entre nous. C'est vrai qu'on peut débattre de cas difficiles, notamment des cas de reprise de chirurgie prothétique de la hanche, mais aussi ça a permis de multiplier l'offre de soins parce que c'est vrai qu'on a chacun nos habitudes et je pense que ça va nous aider à tirer le meilleur de nous-mêmes. Alors moi je suis anesthésiste dans une des deux centres et donc je vous félicite quand même, chers collègues chirurgiens, que cette belle réussite effectivement de votre association qui est validée par une première super conférence qui a beaucoup de succès et avec des sujets super intéressants et super innovatifs. En fait, depuis quelques années, il y a un nouveau projet de structure qui est en train de se monter, dont c'est vrai que les instigateurs étaient plutôt mes anciens, mais c'est vrai qu'il y a un beau projet de clinique future. J'ai l'impression que c'est en train de prendre une belle tournure. Ça fait 10 ans qu'elle devait se construire, et puis avec les recours multiples et variés, ça a pris du retard, à tel point qu'on pensait que ça ne se ferait jamais. Et là, ça y est, le chantier est parti, elle sera livrée dans 2 ans, et on est très, très heureux et très impatients de pouvoir aller tous y travailler. Sur la chirurgie de l'avant-pied, son évolution vers la chirurgie percutanée, mais je crois qu'on essaiera surtout d'élargir le débat sur l'évolution globale autour de la chirurgie du pied, et chaque intervenant vous parlera de ces évolutions qui lui sont propres. On va intervenir donc du côté chirurgical, puisque je suis le nouveau venu pour rejoindre Jérémy au niveau de la chirurgie du pied à Aix. Et l'arrivée ici, moi, c'est pour des raisons professionnelles, parce qu'il y a un nouveau groupe qui s'est créé avec une dynamique hyper intéressante. On devient plus efficace si on travaille à plusieurs, si on discute des dossiers ensemble. Peut-être qu'on sera même un peu plus nombreux dans le futur pour développer l'épaule et exclusivement l'épaule. Chaque chirurgien a ses protocoles de l'épaule, mais je pense que c'est important, ce genre de journée est faite pour ça. D'abord pour communiquer dessus. Je pense que l'ensemble de la profession n'est pas forcément au courant de ce qui se passe directement en chirurgie et en post-opératoire immédiat. Cette relation qui est interprofessionnelle, qui est au quotidien, enfin qui fait partie de notre travail. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir le montrer à l'ensemble du corps médical et paramédical. Le travail du chirurgien, c'est important, mais c'est pas plus que 50% du boulot. Le travail vient derrière, parce qu'une bonne réparation avec une rééducation qui n'est pas bien faite, ça se passe mal. Et l'inverse est vrai, hein. Même un super kiné avec un chirurgien qui a mal travaillé, ben, ça se passe pas bien. Donc c'est vraiment un vrai travail d'équipe. Il est important de montrer que l'on forme un groupe, que la chirurgie de l'épaule, c'est une spécialité, c'est une affaire de spécialistes, qu'on ne peut plus être aujourd'hui chirurgien orthopédiste au sens large. La chirurgie de l'épaule, c'est une hyperspécialité dans la spécialité, et on ne peut plus faire non plus la chirurgie de l'épaule tout seul dans son coin. Il faut travailler en groupe, c'est le sens de l'arrivée de Damien, c'est le sens d'avoir une kiné avec nous, qui est une kiné qui s'implique beaucoup dans la chirurgie de l'épaule et dans le post-opératoire de l'épaule, et c'est important de le faire savoir. Aujourd'hui, on n'est plus chirurgien généraliste, on est chirurgien d'une ou quelques articulations. S'il y avait un message à faire passer, je pense que ce serait celui-là. Quand on a la chance d'être sur le terrain et qu'on peut assister aux mécanismes traumatiques, c'est encore mieux pour suspecter avec plus de précision les dégâts qu'il y a pu avoir. Et puis quand la clinique corrobore un petit peu les doutes qu'on a, on peut lancer assez rapidement éventuellement de l'imagerie avant le recours au chirurgien quand on a besoin d'une indication chirurgicale pour le patient donné. C'est très bien passé, oui. Donc bon, il y a le rôle des kinés, des podologues, donc du coup c'est une association de tout, c'est ça qui est bien. Qu'on travaille en partenariat avec les médecins, les chirurgiens, les kinés, les podos, et puis qui encore. Ouais,
les intervenants étaient de super qualité, hyper précis, concis et clair. Et c'est vrai que bon, nous, on n'est pas chirurgien, on est podologue et ça nous aide beaucoup, beaucoup de choses. Franchement, oui. Ouais. Ça fait plaisir. On reviendra l'année prochaine. Avec plaisir.